500 millions. Le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication est un secteur porteur de croissance. Et il doit pouvoir booster la croissance ici dans notre pays comme il est fait ailleurs. Il se trouve qu'effectivement, des problèmes liés à la qualité, liés à la mauvaise compréhension des textes, ne permettent pas toujours au ministre de porter la sanction. Alors, le Premier ministre a convoqué une réunion depuis ce matin. Nous travaillons des réunions à la fois à la primature et au ministère. Nous ont permis donc de mettre au point le texte qui fonde justement les sanctions qui vont être prises. Et au sortir de cette réunion, nous allons pouvoir, le régulateur et moi-même, convoquer tous les opérateurs afin que les décisions qui seront prises soient de stricte application. Au départ, il y avait le projet global restant toujours à 600 millions. De faisabilité qui démontre la requête du professeur. Il y a plusieurs décisions qui sont prises. Ici, nous avons par exemple la décision qui porte le respect du prix plancher. Cette décision doit être d'application par tous les opérateurs de télécommunications, d'autant plus que cette décision-là se fonde non seulement sur la loi cadre sur les télécommunications, la loi portant création de dotés de régulation, mais aussi se fonde également sur la loi sur les prix qui détermine qu'on ne peut pas vendre les services en deçà du coût de revient.